Bonjour à tous et à toutes, c'est Horse et on se retrouve pour un nouvel épisode de Disney World. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis en compagnie de Danny Pingoui. Hello à vous, les petits Québécois. Mais je pense pas vraiment qu'il y a beaucoup de Québécois qui regardent mes vidéos. Ben, il y en a, mais surtout des Français, puis je crois qu'il y a majoritairement des Belges, donc voilà. Ok. Donc, on se retrouve sur Disney World. La dernière fois, on s'était retrouvé pour un petit peu d'exploration, puis je trouve que c'était bien parce que ça changeait, puis ça nous a permis de découvrir de nouvelles choses. Donc ça, c'était pas mal cool. C'est sûr que là, j'ai un petit peu, arrêté un peu sur l'exploration. Mais par contre, nous avons fait un live avec Fred Lollis. Et je vous... il m'a pas encore donné de date quand il allait publier la rediffusion du live. Mais n'hésitez pas à aller sur sa chaîne. De toute façon, d'ici que cette vidéo sorte, normalement, elle devrait y être sur sa chaîne. On s'est vraiment bien amusé. On a refait l'Ender Dragon parce que maintenant, vous savez qu'en 1.9, nous avons la possibilité de faire respawn l'Ender Dragon avec des Ender Crystal parce que les Ender Crystal sont devenus craftables. Et puis, nous avons également fait deux temples du Guardian. Puis, on s'est vraiment, vraiment amusé. Il y a eu plein de fails. Et voilà, voilà, voilà. Moins 18 ans, bien sûr. Oui, il y a certains propos quand même qui sont attention au jeune âge. Mais voilà. Après ça, qu'est-ce que nous avons fait j'ai en fait fini déjà l'écurie. Donc ici, vous voyez que j'ai mis un toit à la petite écurie où j'ai mes différents chevaux. Voilà, j'ai rajouté 3 box ici. Mais voilà, il en reste plus que 2 de libre. Et ici, j'ai un petit box pour l'âne de Fred. L'écurie ne deviendra pas plus grande, je pense. Non, je pense pas parce qu'ici, il y a quand même une sortie... Sauf si je condamne cette sortie. Je pense que l'écurie va rester comme ça. Vous saviez que mon trou à PNJ, il était là. Mais je l'ai bougé ici déjà pour le faire plus grand. Par contre, mes PNJ sont dissidents. Et ils ne veulent pas se reproduire. Ils ne veulent pas faire l'amour. Oui, ils s'enferment dans leur coin. Puis après, je sais pas si c'est parce que j'ai deux PNJ qui ont la capacité de farmer. Je sais qu'à un moment c'est parce que j'avais plein de zombies parce que j'avais une grotte en dessous. Je pense qu'il faudrait que tu remplisses leur inventaire de graines et de blé. Oui, mais si, ben c'est ça, je sais pas. Une fois qu'ils sont full, ils vont s'échanger des choses et ils vont peut-être se reproduire au bout d'un moment. C'est ça. Qu'ils tombent vraiment amoureux l'un de l'autre, c'est hyper rare pour qu'ils se reproduisent vraiment. Ouais. Ben en tout cas, on va pas s'attarder là-dessus aujourd'hui. On fera plein de tests. Je vous rappelle, pour les gens qui ne savaient pas, que l'enclos APNJ, c'est bien sûr pour obtenir un livre Mending. C'est quand même la façon la plus, on va dire, facile. Bah, facile et pas facile, mais dès qu'on l'a, voilà, c'est ultra facile. Pour réparer ses outils. Oui, parce que vous avez bien vu, moi j'ai Mending sur mon Iron, puis un Mending sur mes bottes en diams. C'est du Mending que j'ai trouvé dans l'Inde et vraiment c'est incassable. Chaque fois que je tue 2-3 mobs dans la nuit, ça se répare full vie. Donc, également, vous voyez, il y a des vaches ici. Alors, avant, il y avait une grosse genre d'usine caca ici aussi. On a agrandi l'île. On a un peu agrandi l'île ici. L'usine caca. Ouais, l'usine caca. L'usine de merde. On l'a détruit parce que oui... Elle était semi-AFK, oui, elle cuisait la viande, mais en termes de production et en termes de glitch, elle n'arrêtait pas de glitcher. En 1.9, les vaches disparaissaient. Donc j'ai décidé de faire un bon vieux système qui a toujours marché depuis que Minecraft est là. C'est qu'en fait, vous mettez une fence ici, puis vous clairez tous les blocs, mais ici, vous mettez des demi-dalles et les grosses vaches ne tomberont pas. Mais par exemple, si on fait reproduire les vaches, leurs petits tomberont. Je vais vous faire une démonstration, mais d'abord pour vous montrer comment ça marche. Donc, dès que les veaux reproduisent, ils tombent, il y a de l'eau qui les amène ici en bas.
Il faut bien sûr qu'on attende que les vaches grandissent, mais quand elles sont grandies, donc préférable, c'est mieux d'avoir une épée Fire Aspect. Par contre, c'est Miskila et non moi. Vous pouvez taper les vaches. Je sais pas si c'est le Fire Aspect, mon épée. Ça permet de cuire la viande. Aspect, oui. En tout cas. Et ici, vous voyez, ça me loot bien sûr. Donc le steak cuit, c'est parce que voilà, ça venait de la vieille machine, mais quand même, on a beaucoup de cuir, beaucoup de steak. Puis ça marche assez bien, donc c'est pour ça que je continue un élevage de vaches ici pour vraiment remplir mes colonnes. Et j'en ai fait 3. Pour ceux qui regardent Aurélien Sama, il l'a notamment fait lui de son côté sur Celestia. Même si c'est Juju qui l'avait fait à l'origine, je pense que c'était le premier à l'avoir fait dans Holy Cube, mais voilà. C'est quand même une usine qui perd pas son vieux, puis elle est assez efficace. Surtout quand il y aura énormément de vaches, donc j'ai fait ça. Et puis, en agrandissant l'île, j'ai aussi profité... Donc ça c'est vraiment un pont que voilà, je me suis amusée, j'ai pris des objets que normalement on n'utiliserait pas pour faire ce petit pont. Qui va ici donc sur une grosse étendue terraformée où je vais construire une nouvelle maison. Parce que la maison là-bas elle est belle mais déjà le toit il est moche donc on va refaire le toit. Je sais. Mais j'ai aussi envie d'avoir une maison plus de mon style, plus grande, vraiment quelque chose avec des pièces, quelque chose décoré. Parce que quand même la décoration maintenant que la vitre et puis les barres de fer se mettent joliment, je vais vraiment en profiter. Donc je vais aller chercher du bois de tous les types. Puis ici j'ai de la hardened clay qu'on utilisera bien sûr je crois pour faire des couleurs blanches, voire grises, voire noires, voilà. Là on va faire un petit tour dans le nether, donc vous voyez que j'ai un petit peu de paquet d'ice. Et bien sûr on avait trouvé des biomes paquet d'ice la dernière fois dans l'exploration. En rentrant, bah, c'est ça, hors ligne, j'ai aussi profité à faire... Allez dans le nether. Si vous voyez Danny Pingouin voler, ne vous en faites pas, il ne triche pas, c'est juste pour avoir le fly. Voilà, c'est juste pour pouvoir poser correctement mes blocs, parce que vous savez très bien que si je tombe, je meurs. Et aussi, Miss a enfermé 2 chevaux squelettes aussi pendant le live. Faudra que je les ramène. Il y avait un bug la dernière fois, mais normalement ça devrait marcher, je devrais pouvoir les faire passer par le nether. Ben non, en fait je peux pas encore, en fait c'est un projet à faire, donc il faut en fait que je creuse le plafond 3, mais que si on veut quand même utiliser l'astuce du jump haut de bloc, il faut tout simplement que je mette des trappes d'or dans le plafond, et comme la trappe d'or n'est pas considérée comme un bloc plein à cheval, ça fait 3 blocs, puis on suffoque pas. Donc ça sera fait dans tous les couloirs que nous avons déjà fait, ne vous en faites pas. Ça prendra un petit peu de temps. Un petit peu de temps, oui et non, mais voilà. On creusera ça. Éventuellement, on veut aussi refaire tout un... On veut refaire tout un lobby portail du Nether. Ouais, ça peut être vraiment sympa de faire un bon portail du Nether correct. Un truc bien, bien cool. C'est ça, donc on va agrandir voilà, où se situe le portail du Nether. Au moins ici, après la tour en dessous, ça sera conservé pour aller en bas. Mais même là, on peut voir, on peut faire des genres d'ascenseurs dans le Nether pour aller au couloir qui va à la forteresse. On verra ça bien sûr en temps et lieu. Comme je vous ai dit de mon côté, Dissident World, dès que ça me tente, puis là ça me tente d'en faire, donc je vous fais des épisodes. Après, c'est sûr qu'il peut y avoir des pauses, mais voilà, ça me tente. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'épisode de ça, ça me tente de le faire, je vais le faire. Vous avez vraiment pas à vous inquiéter là-dessus. Donc là, je pose juste de la glace vers le chemin qui va vers le biome Mesa, parce que avec la construction de la maison moderne, voilà, faudrait souvent aller au biome Mesa, donc je fais un chemin express. Hop,
Moi, j'essaie de finir mon toit correctement. C'est ça. Puis Danny, lui, il travaille sur sa tour. La tour qu'on avait commencé en live, mais quand on l'avait commencé en live, c'était parti vraiment en couille. On commençait à Exactement. Pousser Fred par terre. Et la tour ressemblait juste à une géante bite comme là, voilà. Alors que là, elle a déjà un peu plus de cachet. C'est ça. Donc voilà. Puis aussi, on verra. Donc là, je vous montre les chemins. Puis après, on verra pour éventuellement commencer un prototype d'une usine à potions pour la 1.9 qui sera ensuite, si elle marche bien, emménagée probablement dans la tour. Parce que comme on pensait, la tour, on l'imaginait un peu comme une tour de mage, une tour de combat. La tour des Harry Potter. Donc voilà. On va regarder. Normalement, ça devrait pas être si difficile. On va partir bien sûr sur le principe de la machine où on peut choisir les ingrédients qu'on veut mettre. Après, c'est sûr que pour faire dans une tour, ce sera pas forcément. Mais après, on peut en mettre 3 par étage, par exemple. Dire cette machine fait les potions de ça. C'est comme les potions de Nyctalopie, qui sont des potions de Night Vision. Moi, je comprenais rien, parce que bien sûr, j'ai mon jeu en anglais. Mais voilà. Hop. Je vais y arriver petit à petit. Hein. J'essaie d'ajouter du contraste. Ouais. Alors, est-ce que ça donne bien? Puis les potions de Night Vision, puis de Water Breathing qu'on continuera à faire, parce que ben, Water Breathing, on en a quand même pas mal, mais c'est sûr qu'il y a des coffres où il y a les forteresses, puis à un moment, on ira chercher les blocs des forteresses. Après, je sais, il y en a qui va me demander, est-ce qu'une possible usine à Guardian ben, sachez déjà qu'une usine à Guardian, c'est très long. Très long à faire. C'est ce qu'il faut faire, c'est que déjà il faut faire un périmètre autour de la forteresse et après il faut assécher l'eau dans le gros cube. Après que ça c'est fait, il faut en fait déblayer tout le toit de la forteresse. Et après, ils font inonder une seule partie et tout. C'est très très long à faire. Donc, pour le moment, c'est pas au projet. On va faire les choses qui sont plus susceptibles d'être faites, dont une farm à Blaze. C'est beaucoup sur mon programme, ça je vous le cache pas. À Blaze ? Ouais, une ferme à Blaze. Oh, je savais même pas que ça existait ce genre de ferme. Enfin, ouais. j'en ai vu 2-3 sur internet, mais je savais oui, même pas. Oui, mais que... ça dépend lesquels, parce qu'il y en a vraiment où il faut que tu dalles le nether, mais de toute façon, je pense daller une partie du nether parce que j'aimerais aussi faire une ferme à Wither Skelet pour avoir plus de beacon, tout simplement. Parce que c'est sûr que là, on a juste un beacon. C'est sûr que moi, j'en aimerais en avoir un, comme on est en UHC, j'aimerais en avoir un dans mon coin d'île aussi. Donc on regardera éventuellement. Bon, je sais qu'on a un peu cheaté pour aller dans le toit du Nether. Bah, non. On est obligé maintenant. Il y a une possibilité de casser la bedrock. Avec l'œuf de dragon, apparemment. Mais ouais. Voilà, c'est une technique. Déjà, il y a un bug que je sais plus s'il marche encore. C'est le bug de duplication de l'œuf de dragon. J'en sais rien du tout. J'ai jamais vu les bugs. Ça marche juste en multijoueur. Ça marche juste en multijoueur, mais il y a quelqu'un qui doit être dans le portail. Il y a quelqu'un qui doit être dans l'Inde, puis il y a quelqu'un qui doit être dans l'Overworld. Le mec dans l'Overworld va lancer l'œuf de dragon dans l'Inde. Il va le prendre. Après, il va re-rentrer dans l'Inde avec lui, ils vont tous les deux sortir, puis apparemment, il y a une histoire que ça le duplique, mais ça, c'était à l'époque de la 1.8. Je sais plus si ce glitch marche en 1.9. D'après Aurélien Sama, ce glitch marcherait encore, mais il en a pas reparlé, donc j'en ai aucune idée. Mais c'est ça, sinon, il n'y a plus vraiment de façon de casser la bedrock, et on l'a cassé, tout simplement en game mode, mais je crois qu'ils avaient fait pareil au début de Holy Cube 1.8. Parce que y a deux façons de faire des fermes à or, comme vous le savez peut-être. Il y a le truc de mettre 4 portails du Nether ensemble, mais après c'est quasiment impossible de rentrer dans le Nether, parce que voilà. Ben, c'est possible, mais
C'est Ça vaut très risque et chiant. péril. Mais on peut faire une usine à Pigman sur le toit du Nether, c'est possible. C'est plus sympa. Et c'est plus sympa, donc ça éventuellement on regardera. Après, je vous dis, je suis pas professionnel dans les usines, je suis ni professionnel dans la redstone, je me débrouille comme je peux à l'aide de tutoriels, à l'aide d'astuces. Exact. Mais c'est pareil, c'est même encore pire. C'est Mais une je quiche. me débrouille quand même bon, assez bien, on va dire. Éventuellement, on va aussi reproduire la. En fait, je vais reproduire deux choses. Vous avez peut-être vu que j'ai fait un petit escalier qui va sur une salle. Il y aura deux systèmes de redstone là-dedans. Il y aura donc de 1 le système de redstone d'escalier. Ben, en fait, ça sera de l'herbe. Puis voilà, on appuie sur des plaques de pression. Puis là, ça nous ouvre un passage. Puis voilà. Puis il y aura aussi un autre système. L'autre système qui sera tout simplement une porte 3x3 parce que Miss l'a déjà fait avec moi. De Ragnabod, si vous vous souvenez. Donc on fera des petites choses comme ça, chouette. On va Par contre, on ne aussi. fera pas de tombe avec marqué RIP MLDG. C'est ça. Non, mais j'avais pas écrit ça. J'avais écrit RIP Orsmandacé. Hein. Ah oui, J'avais à cause du lag, c'est vrai. juste écrit voici une tombe dans mon cimetière à cause du lag. Puis voilà. Il l'a très mal pris. Mais bon, ça se passe que la Il a très mal connexion, payé, le temps que ça j'essaie se connecte. de lui demander s'il aimerait parler, ce qui va être la Mia, donc voilà. Toujours pas de réponse, mais après je vais envoyer le messagère. Oh mon Mais Dieu. après c'est pas dans le genre qui est. C'est pas dans le genre qui veut pas me parler, parce qu'il me répondait à. Il me répondait quand il était au Québec. Donc voilà. Donc éventuellement on regardera pour que ça s'arrange, mais comme je dis, si je serai à revenir, c'est vraiment le un épisode par mois. Hop. Ouais, voilà. On a fini de. Ben on a fini, non. Je devais revenir mettre encore un peu de glace. Mais ici nous sommes rendus donc au portail qui amène au biome Mesa, donc je vais y aller. Je vais me faire niquer, ouais, surtout. Oh, comment tu dis ça? Ben, c'est des mobs. La violence, quoi. Ben Je vais non, me ça faire va, c'est le niquer. jour. Il y a des mobs, je vais me faire niquer, mais c'est le jour. Et là, vous allez me dire, le jour vient de se lever ou c'est la nuit? Non, c'est le jour, il est en train de se lever. Non, c'est la nuit. Oh merde. Le jour se couche. Le soleil se couche, pardon. Le jour se couche, n'importe quoi. D'accord. Donc vous voyez que là j'ai un très beau biome Mesa donc qui est très proche du 0-0. Je vais tout simplement vous montrer, donc c'est 8-63, moins 8-63. Je vais retourner dans le Nether, c'est un peu plus sécuritaire. J'ai pas envie de me faire niquer, je préfère me faire niquer par un gars, c'est plus gros. Non, j'ai d'accord, je me tais. Apparemment, je serai très marrante parce que si vous avez vu l'annonce de live de Fred, en fait déjà mon micro était caca. C'est assez drôle. Comment elle insulte son micro? Ben, je pense Je que le prendrai à main. j'avais le micro de ma webcam. Donc C'est parce possible, ouais. que, ouais, parce que des fois ça arrive. Donc là, si je vais ici, mes amis. Ah, alors attendez. Je l'ajoute à la conférence, c'est mon. Ah oui, bah vas-y, Mister Pain, quoi. Et pendant que. Oula! Ah, voilà, c'est bon. Bonjour. Coucou. Allô? Zou. Bon, on est en plein épisode de. Je C'est vais pas mettre grave. ma cam. On est en plein Non épisode mais. de Ah! Minecraft pour Miss Pindy. Enfin, pour Miss pour. Pandy! Qu'est-ce qu'il y a? Je te réponds! Je tourne! Ah. Je sais pas. Les macaronis au fromage, oui. Oui, ça me Voilà, en tente. plein tournage, elle prend ses macaronis au fromage. Voilà. Qui a déjà vu quelqu'un sur Pas YouTube faire le reste prendre ses la macaronis au vaisselle? fromage? Et voilà, et parler de la vaisselle. Non mais n'importe où. Oui, je vais regarder. Tu feras la vaisselle. Oui. Oh. Bisous.
Le tamou aussi. Hein? C'est mignon. Oui. C'est joli. C'est beau, l'amour. Attends, toi. Là, il va me dire, toi, tu me dis jamais je t'aime. Ah, toi, tu me dis jamais je t'aime. Hein. Je le dis quand j'en dis. Oh, c'est une violence. Et puis, re-salut, c'était madame. Elle voulait savoir ce qu'on mangeait pour souper. Je suis toujours avec Dany. Oui, toujours, toujours vivant. Donc, je vous montre, voilà, c'est le guide du bateau ultra rapide. Puis, dès qu'il y a un zombie pigman dans le chemin, c'est un petit peu chiant, par contre. Donc, ici, voilà, je viens de passer les trois couloirs pour les ice spikes. Et tout au bout... Donc là, j'ai une vache. Ah non. J'ai une vache pour le lait. Oui. Très bien. J'ai une vache pour le lait. C'est la même chose. Ici, parce que voilà. Mais maintenant, je ne l'ai plus vraiment besoin, mais je vais la garder comme souvenir. Donc ici, j'ai Forteresse Gardienne 2. Ici, j'ai la première. Et je vais vous montrer mes chevaux squelettes. Ça a bien été torché. Qu'on ramènera à un moment, en espérant qu'ils n'ont pas disparu. Non, ils ont pas dispawn, ils sont ici. Donc il y a lui, puis il y a lui qui a 10 000 coeurs. Voilà. Ouais, on les ramènera dès que j'aurai creusé le plafond. Donc vous voyez, les popos de soins, il y en a 10 millions ici. J'ai des popos de water breathing, mais j'ai pas des popos de nyctalopie. Si j'en ai, elles sont ailleurs. Voilà. Là, on va revenir au petit spawn. Ah oui! C'est vrai, je vous avais parlé peut-être d'un texture pack custom. Donc, c'est pas un texture pack custom, mais c'est le Fateful 1.8, parce que voilà, le foutu Fateful 1.9, ben voilà, il marche pas. Oui, il est pas encore sorti, je crois, non? Ben, apparemment, il y a un fan-made, mais c'est juste comme les bateaux qui ont été mis en HD, les nouveaux objets de la 1.9. Donc, il faudrait que j'essaie de compiler ça. Optifine aussi n'est pas encore sorti, ni donc voilà, pas de shaders. En tout cas, vous avez tout compris. Mais tout ça viendra prochainement, je suis sûr. Et oui. Hop, la tour est finie. Donc on va aller voir la belle tour de Dany. Du coup, je me repasse en slash game. Enfin, j'enlève le fly, quoi. Hop. Voilà. Mais ça, je sais pas si j'ai envie de construire une maison avec vous aujourd'hui. Je pense pas. J'ai une autre petite idée. Moi, ma tour, elle me fait bander. Attends, j'arrive. Elle est tellement belle. Je vais essayer de ne pas recasser le chemin. Hein. Voilà. Elle est tellement belle, mais je crois qu'il faut la regarder de loin. Hein, parce que de près, ouais. Ça sert à rien. Attends. Faut monter là sur les arbres, je pense qu'on est bien. Je sais pas si tu vois les arbres où j'ai oui, cabane. C'est bon, c'est bon. Hop. Ici, hop, sur la petite cabane. Ouais, ça charge. Ouais, de là, on voit bien, là. Il n'y a même pas besoin de monter sur les arbres. On voit bien que je l'ai bien modifié, quoi, par rapport à la grosse... Ouais. Que ça faisait avant, quoi. Ah, t'as mis un Ender Crystal. Oui, j'en ai mis un, j'en ai refabriqué un. Du pas coup, touché, sinon ça va exploser. Bah, de toute façon, il est sur le toit, tout en haut du toit. Qui va y aller toucher? C'est ça. Ouais. Lui qui y va, je vais mettre la gueule. Et je vais vous montrer l'intérieur de la tour. Alors l'intérieur est pas décoré encore. Hein. Bah, il est pas décoré, oui, mais regarde, vous pouvez monter. Bien sûr, j'ai dû mettre des torches parce que Monsieur Fred, il sait pas torcher. Non, il sait pas se torcher, c'est un petit vieux. Donc, voilà. Ça se passe de commentaires. Ah, là, c'est haute quand même la tour. Hein. Fait 6 étages, je crois. Je pense, oui. Voilà. C'est le dernier étage, à une belle hauteur sous plafond. Je suis même pas tout en haut. Voilà, je suis tout en haut. Donc vous voyez que ici, on a une belle vue sur
ça. Là, nous avons une belle vue donc sur le petit acropole de Fred Lalès et Dany. Et là-bas, ben, c'est chez moi. Avec tous les bâtiments qui font pas de sens. Là-bas, c'est Bonsai. Non, je vais éviter. Ouah, je pense que je vais crever. Eh oui. Oh, tu es décédé. J'ai essayé de faire un MLG dans l'eau, mais je laguais en tombant. Puis ça a pas trop bien marché. Bah, ML pas G. Attendez, je vais faire quelque chose, les amis. T'as respawn chez toi, du coup ? Oui, oui. J'arrive, je m'invite. Où est-ce qu'elle est ? Où qu'elle est ? Ben, dans ma maison. Où qu'elle est, une gonzesse ? C'est une gonzesse ! Une gonzesse ! J'ai perdu la moitié de mon armure à cause de Fred. Oui. Je vais devoir tout me refaire. Ouais, ouais. J'ai vu ça. J'ai remarqué. Du coup, je suis torse-poil sur le serveur. Les torse-poil. Avec un pantalon qui monte, mais plus que jusqu'au-dessus du nombril, en mode Obélix. Merci Minecraft. Donc. C'est vrai qu'ici, il va falloir qu'on fasse vraiment un petit jardin. Parce qu'il y a la plage, il y a la Seine, mais derrière, il faudrait faire un petit jardin. Ouais. Une petite cabane, la petite cabane. Ou un petit parc de jeux pour enfants. Oui, ça serait pas mal. Des modèles sur. Cette maison de Fredou. Je vais tout simplement détruire des blocs de Netherrack, voilà. Parce que j'en ai beaucoup trop. Je la trouve jolie, la tour. Franchement, elle a un cachet. Mais je compte faire un peu la même, mais un peu plus grand sur Terra Cube. Pour faire la grosse tour du roi Pingoui. Hop. Voilà. Mais je la ferai peut-être plus en Skystone. Ce qui est bien, c'est que sur Terra Cube, il y a plus de cubes que sur Vanilla. Quoi. C'est dingue. Je sais pas pourquoi il y a des blocs de chemin. Je pense qu'il a voulu faire Fred. Donc. Hop. C'est ça, on devait donc voir pour une bêta de machine à potions. Bah, une bêta, si je peux l'appeler comme ça. Parce que. Voilà. Donc on va aller chercher de ce qu'on a besoin, de ce qu'on a, oui. Hop. Donc on va marcher sur le principe. Tu sais qu'il y a une petite... Oula, ça lag beaucoup par là. Tu sais qu'il y a une petite machine pour faire les potirons et les... Oui. Et les pastèques assez sympas que j'utilise, moi. Ouais, ouais, bah, moi aussi. Avec un système de que t'arrives au bout, t'appuies sur une plaque de pression, ça soulève et ça rebaisse. Bah, c'est ça que j'ai. Tu récupères. Ouais, je trouve ça super sympa, moi. Ouais. Que le côté juste avec un truc qui tourne et dès que ça. Enfin, avec le butt switch, j'aime pas du tout. Il y a ça, ouais, où ça détecte comme ma machine à canne à sucre. Ouais, la machine à canne à sucre, encore, ça passe pour le butt switch. Ouais. Mais le faire avec des melons, quoi, franchement. Donc. Des melons et des citrouilles, faut pas. Pas bien, faut arrêter. Je vais vous faire des petits boutons. Parce que ouais, les boutons, c'est marrant. Se faire sous mon nez en plus, c'est parfait. Et je vais. Pourquoi tu l'as pas fait sur plusieurs de longueur, la canne à sucre ? Parce que. Il me semble que tu peux le faire sur. Oui, oui, je peux le faire sur plusieurs sur longueur, c'était juste un petit test. Après, faudrait faire toute une grotte avec les petites usines, ce serait sympa ça. C'est une bonne grosse grotte, je me comprends. Ouais. Avec les usines, plein de petites usines, mais qui vont nous servir à garder un petit peu le côté sympathique. Puis les faire en même temps en épisode, ça peut être bien ça. Donc, je viens de me faire la blinde de dropper. Ça se fait pas avec des arcs ça, non, les droppers ? Non, c'est non, ça c'est les dispensers, mais ça c'est autre chose. Parce que les droppers. Je vois pas la différence entre dropper et dispenser. Oh putain, je m'avais peur. Ben, il y a une petite différence. Vous venez d'entendre la virilité de Monsieur Michael, attention. Non, parce que le dropper, il drop, mais c'est-à-dire, il te jette un objet en mode... Ouais, bah c'est ça, il jette un objet, par contre, alors on peut... Alors que le dispenser, t'éclate la potion dessus, par exemple. Alors que le dropper te drop juste la potion. Ou c'est l'inverse? Non, c'est un dispenser qui peut dropper de la...
C'est-à-dire, par exemple, là, j'ai une potion splash sur moi, imaginons. Oui. Si je la mets dans un, dans là, dans le dropper. Si tu la mets dans un dropper, puis tu appuies sur le bouton, ça va te donner la potion comme elle est. Ça va pas te la splasher dessus. D'accord. Alors qu'un dispenser va te splasher la. Oui, c'est ça. D'accord. Donc voilà la différence entre dropper et dispenser. Ouais. D'accord. Ouais, parce que à chaque fois j'ai du mal, je confonds les deux. Ah, c'est vrai, il fallait que je vous reproduise un petit peu les vaches pour vous montrer comment ça marche. Bah voilà. Usine à pêche AFK, j'annonce, je pêche. Bah j'ai une usine à pêche AFK. Ah si, canne à pêche, c'est parti. Mais c'est pas. Ih, je suis tombée avec les vaches, non merci. Vous voyez, il y a les petits bébés qui s'en vont. Hop, reproduisez-vous les bêtes. Voilà. Donc on va chercher du cuir pour faire des item frames avec les différents ingrédients. Personnellement, la seule chose qui a changé vraiment avec l'alambic, c'est le fait que maintenant il faut de la blaze powder pour l'activer. Mais sinon, ça marche de la même façon. Il y a un gros lag sur le serveur ou c'est moi? Non, je pense que c'est toi. C'est sûr que moi j'ai lagué quand j'ai fait de la chute libre, là, mais. Parce qu'en fin de compte. Ouais. Ça m'a pas du tout droppé de. Tu sais ce que ça vient de me dropper? Non. Ah non, c'est des fausses. Bah merde alors. Très bien. Attends, parce que j'ai pas compris là. Je pense que la 1.9 est encore buggée. Ah ouais, c'est buggé. Bah c'est comme quand des fois quand on est dans des bateaux ou sur des chevaux et on nous voit pas. Il y a un dropper sous ce coffre? Ah oui, il y a un hopper. Le hopper part dans... Mais... Ça part où tout ça? Où est-ce que ça part? Bah merde! Ça part où? Bon, je vais prendre des potions de nique ta mère. Oh! Comment elle parle? La façon qu'elle parle? Donc ici... Bon, déco parce que je crois qu'il lag à mort le serveur. Je mets... Misitan Frame. Hop. Je pense pas que j'en ai assez pour tous les ingrédients. Parce qu'on a quoi? On a de la nether wart. Qui est l'ingrédient de base. Oh, on a l'arme de gaz. Ouais, t'en auras pas assez. Hein. Sucre. Il y a des tonnes. Hein. Il y a du quoique de base. Enfin, l'œil d'araignée. Ouais, mais je pense que je vais toutes les faire. Ouais, toutes. Il y a la larme de ghast. Ouais, ben ça c'est bon. La pâte de lapin. Ah ouais, la pâte de lapin, j'en ai pas par contre. Le poisson globe. Ouh, le poisson globe, j'ai. Les carottes d'or. Oui, ben ça sera fait, donc poisson globe. J'essaie de me rappeler tout ce qu'on peut avoir pour les potions. Il y a tellement de choses. Définitivement, on va devoir en mettre. 1, 2, 3, voire 4 de plus. Je vais encore faire, tu vois. 1, 2, 3. On va devoir faire d'autres droppures, les amis. Bah, je sais pas en fait. Peut-être pas. Donc, par exemple, là, je vais mettre la gastire, le poisson globe. Il y a la carotte dorée. La carotte en or, on va y mettre ça. Il y a la pâte de lapin. Et il y a bien sûr, il y a la glowstone puis la redstone pour prolonger les potions. Et la glowstone, redstone et tout au fond ah, la sucre, gunpowder pour savoir si elles sont explosives ou non.
Ah oui, puis sucre. Et le sucre pour la vitesse, ouais, donc ouais, là, t'auras pas assez de place. Hein. Il manque la pâte de lapin aussi. La potion, la machine, la potion la plus longue du monde. Ouais, c'est ça. Voilà hein. Ce qu'on est en train de faire. Et donc ça, redstone. Puis après, il y a aussi les lingering potions et tout, mais ça, on fera pas là. Après, faudrait peut-être juste. Faudra rajouter un add-on de l'autre côté. Que si on veut faire une lingering potion, avec les potions qui sont déjà dans le brainstorm, on fait juste un petit clic de bouton et ça renvoie les potions dans le brainstorm. Dans le brewing storm, pardon. Pour envoyer le dragon. Le crachat de. Ouais, le dragon breath. Dragon breath, là, voilà. Le souffle de dragon, pardon. Le crachat. T'as mis la pâte de lapin ou pas? Ben non, j'en ai pas. Est-ce que c'est un élément de potion? Va voir dans. Je vais aller regarder. Au pire, c'est pas grave. Au pire, je mettrai un cuir de lapin ou quelque chose pour le moment. Ouais, parce qu'il y a la pâte de lapin pour faire des jump boosts. Bon, ça sert pas à grand chose, mais. J'ai jamais compris à quoi ça servait le jump boost. À se casser la gueule plus que tout, surtout en UHC. Ouais, c'est ça. Et Jell sort l'évitation dans les fameuses tours là de. Oui, non, mais ça, on sait. C'est affreux ça. Ça, on s'est pété la gueule, on s'est trop amusé. Mais on n'était pas encore UHC. Mais il manque toujours quelque chose dans Minecraft. Moi, je trouve qu'il faudrait qu'on puisse capturer un mob. Genre le Shulker, si on a envie d'en capturer un ou d'en envoyer. Ouais, non, c'est sûr, il y a ça. Il manque un petit truc, quoi. Donc, donc il y a glowstone, redstone, gunpowder et la fameuse pâte de lapin. Mais la pâte de lapin fait partie des ingrédients. J'aime bien le bruit que ça fait quand tu poses les pancartes maintenant. Ah, oh, ça fait un bruit. Pas du tout remarqué, mais c'est pas grave. Donc ça va être pour le lapin. Je sais pas, de stone, faudrait que je fasse un dernier bouton. Redstone, puis gunpowder. Gunpowder. Voilà. Ça fait une sacrée machine à potions quand même. Ouais, c'est quelque chose de pas mal ce qu'on est en train de faire. On est en train de faire quelque chose de pas mal massif. Et puis là, ben, on va faire. La chose clé qui est le brewing stand. L'outil clé. C'est ça. Pendant qu'il y a un squelette qui se balade sur le terrain, la classe. Au calme. À côté des vaches. Non. Ah, c'est pas grave. Mais non. Allô? Ok, d'accord. Là, ça ressemble à un WC, ce que j'étais en train de faire. Après, il y a moyen de le faire plus compact. Oui, il y a moyen. Enfin, pas forcément plus compact, mais au lieu de le faire juste en ligne droite, on peut le faire en carré. Oui, oui, on peut le faire en carré, oui. Pour faire en... Mais ça, on... Ça, mais bon, là, on fait en ligne droite. On verra, par la suite, hein. Bien sûr. Donc, ça veut dire que normalement, si j'appuie là, ben, bien sûr, ça met rien parce que j'ai rien dans les... Donc maintenant, la chose qu'on se demande surtout, c'est que quand je mets un hopper ici, je mets un coffre, est-ce que ça va faire la blaze ou la water bottle? Donc on va voir Je crois que c'est quand tu mets derrière
c'est les water bottles, et quand tu mets sur la gauche, c'est la blaze powder qui prend. D'accord. Il me semble, hein, j'avais vu ça sur le vidéo d'Aïe Pierre. On va tester ça. Je me fais des coffres. Je vais me faire un peu de blaze powder. Je vais faire ça. Puis je vais faire ça. Je vais commencer à remplir les droppers aussi. Non, c'est pas ça que je veux faire. Hop. 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 Ou non, je pense que l'usine à blaze sera sur le programme. Je sais plus comment on fait une usine à blaze. Bon, c'est pas tellement la merde, c'est correct. Là, j'ai le doigt engourdi. Là, j'adore. J'adore. Ah. Pas marrant avoir les doigts engourdis, mes petits amis. Mais il a cassé mon hopper. C'est comme ça qu'il faut le mettre. Attends. Hop, voilà. Comme ça. Pour la blaze. Et en principe, ici, tu mets les blaze powder. Et ça rentre au bon endroit, c'est ça, voilà, ça vient de le mettre, tu vois. Et quand ça vient de derrière, je crois que ça met les bouteilles. D'accord, il me dit ça met la blaze powder, puis moi je la vois pas, la blaze powder. Bah si, regarde dedans, voilà, tu vois, ça vient de se mettre. Ah oui, ok. Et je crois qu'en venant de derrière, c'est les bouteilles. Après ça, je suis pas sûr à 100%. Attends, j'en ai mis deux, je pense. Ok, en tout cas. Non, je sais pas alors. Si ça s'est pas mis, c'est que c'est pas les bouteilles de derrière. Bah, je vais chercher des bouteilles d'eau. Si t'en as pas mis aussi. Non, ça c'est des potions de nyctalopie. Voilà. Et ferme-toi la porte. Et puis on va voir. Oui, je pense que ça marche. Oui, ça a marché, c'est bon. Donc venant de derrière, c'est les bouteilles, venant de la gauche, c'est la blaze powder, et venant du dessus, c'est les ingrédients. Oui, donc là, par exemple, on va faire ça, ça, et puis ça. Et puis, normalement, bah c'est bon, ça marche. Et bah c'est parfait. Ça va faire des popos de soin de... oui, et bah c'est ça, je suis sûr qu'on peut faire un système en carré. Tu peux. Hop, mais bon. Je vais même m'envoyer une gun powder pour en faire une explosive. Explosive. Potion de soin explosive. Donc. Ce sera parfait. Oui, ne vous en faites pas. Je vais peut-être. On verra. Je vais déjà mettre plein de torches à côté de ma machine parce que je veux pas que les creepers la pètent. Bon, je m'appelle quand même pas Fred Lales, là, mais voilà. Fred avec sa réputation des creepers. Ouais, c'est ça. Hein. Mais voilà, nous avons fait une petite usine à potions. Il reste plus qu'un ingrédient, il me semble que la potion est terminée. Ben oui, je suis en train de la mettre au niveau 2. Ah mais oui, non, mais c'est normal, en fait j'avais mis deux... Oui. C'est normal qu'il y a juste une blaze, j'avais mis deux blazes, mais ça consomme la blaze. Non, il y a des soins instantanés niveau 2 en splash. Hein. Ah oui. Et oui, ça consomme la blaze, oui, ça l'a consommé, ouais. Donc c'est bon, maintenant c'est... on a des potions de soins, je t'en pique une, allez hop. Hop. Oh. Puis là, on peut faire autre chose, donc on pourra remplir le coffre. Bon, moi j'ai pas besoin de me soigner. Après, on peut faire un système de récupération de bouteilles vides. Oui. Pour pouvoir les rebalancer dans le système. Enfin, remplir les bouteilles vides d'eau et les rebalancer dans le système et ça les renvoie dans le coffre qui est juste derrière. Comme ça, on n'a pas besoin de s'occuper des bouteilles. Je ne savais pas que ça pouvait exister, ce tel système, mais bon.
Si, 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 c'est tout bête, c'est juste devant. On peut faire, par exemple, ici, on peut mettre juste un petit hopper, avec un tapis, bien sûr, qui aspirera directement les bouteilles, qui les renverront derrière une fois qu'elles sont pleines, avec un petit ascenseur à dropper, je crois, ou oui, un petit ascenseur à dropper. C'est à dropper. Ça envoie directement dans un entonnoir qui renvoie dans le coffre. Très bien. C'est tout bête hein, à faire. Hein. Donc. Oui, c'est sûr qu'il faudra que trouver des, faudra que j'aille à la chasse aux ingrédients à potions parce que voilà, j'en ai pas énormément. Puis ça sera prévu donc par exemple, ben les yeux d'araignée, j'en ai pas mal, j'en ai 64. La blaze powder, la gunpowder aussi. La redstone, j'en ai pas mal. Je regarde. Par exemple, la redstone, j'en ai pas mal. La gunpowder aussi. La glowstone, faudra aller rechercher. Le sucre, ben, je dois en avoir pas mal. C'est les œils d'araignée que j'ai pas mal. Les poissons globes, j'en ai pas mal aussi. On va mettre ça là, comme ceci. Non, ça c'est du poulet que je viens de mettre. Mais voilà, ça fait une superbe usine à potions. Que nous avons fait dans cet épisode. Donc je vais vous laisser là, parce que voilà, ça va faire un épisode assez long. Quand même toujours plus court que chez Fred Lolles. En fait, j'en ai aucune ça idée. Ça parle mal. Puis on va se retrouver pour un deuxième épisode où on va peut-être aller un peu aller à la chasse aux ingrédients à potions. Je pense que ça serait une bonne idée. Donc je vous dis au revoir et à plus, mes amis. Bisous, bisous.